Vous venez de rencontrer le châtelain de ce maudit domaine, Andro Ryan. Maintenant, allez jusqu'aux salles d'urgence. Très bien, très bien. Chirurgie cosmétique. Hey Marie, tu viens au grand match ce soir? On m'a dit que c'était les Ryan Raiders qui jouaient. Pas question, Jim. C'est trop dangereux. Tu n'es pas au courant? Les bandits d'Atlas sont partout. Hey, attends un peu. Souviens-toi de ce que Ryan a dit. Si tu fais ça, les bandits ont gagné. Emmène ta famille à la forteresse Folâtre et en Arcadie. Sors, va faire du shopping. C'est ce qu'on fait, Rapture. Bah oui, c'est ce qu'on fait, Rapture. Pavillon médical. Le docteur Steinman a dit que je sortirais aujourd'hui. Ryan n'est pas venu me voir une seule fois depuis l'attaque du Nouvel An. Mais le docteur était au petit soin. Il m'a dit qu'une fois la cicatrice disparue, il allait me retaper en un rien de temps. Je serai la plus belle. Il est vraiment gentil. Et il s'intéresse beaucoup à mon cas. Mmh. Vitesse t'a souvent copié, jamais égalé. C'est trop de soin. Très bien. Très bien, très bien. Acheter article. Bienvenue à la farandole des prix. Est-ce que j'ai besoin de munitions? Pas vraiment. Je suis plutôt pas mal, je trouve. Robot de sécurité. Oh, merci. Piraté. Allons-y. Blabla. Blablabla. 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 Parfait. Du coup, si j'ai bien compris, il faut faire des choses comme ci et comme ça. Parfait. J'ai un allié. Je vais l'appeler Wally. Faut pas le pirater, lui. Bon, tant pis. N'approchez pas de mes patients. Ouais, ils sont vénères. Il est chaud. Hey, calme-toi. Vas-y Wally, tape là. Pas tu là. Parfait. Bah le patient, je viens de l'aider à quitter son... Salut. Maintenant, je vais t'aider à le rejoindre aussi. Voilà. Comme prévu, je t'ai amené auprès de ton patient. Malheureusement, c'est dans un autre monde. Ryan et Ladan. Ladan et Ryan. Après des années d'études, étais-je vraiment un chirurgien avant de les rencontrer? Nous gâchions nos coups de scalpel avec notre moralité désuète. Nous incisions un furoncle par-ci, rabotions un nez par-là. Cependant, pouvions-nous vraiment changer les choses? Je ne crois pas. Ladan nous donne les moyens de le faire. Et Ryan nous libère de l'éthique illusoire qui nous entravait. Changez d'allure, de sexe, de race. Votre corps vous appartient. Il ne tient qu'à vous de le modifier. Eh ben... Si vous voulez utiliser le sas d'urgence, il vous faut la clé du docteur Steinman. C'est lui le patron ici. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu'il vous la remette par pure bonté d'âme. C'est pas son genre. Et pour être honnête, il m'arrive de me demander s'il lui reste une arme. La main. C'est fatal. T'avais pas une arme? Non? Bon. Parfait. Ouhou! C'est pas mal du tout ça! Ah! Oui! Vas-y Wally, chasse! Ah, ça meurt vite. Où qu'ils sont? Ah, je descends qu'il n'y a plus personne, putain. Merci. Wally! Où qu'il est passé?
Ah, c'est toi qui cours comme un imbécile, à vie. Ça fait mal. Non, qu'est-ce que je fais? J'ai relancé le truc. Vas-y, Wally, chasse! Et derrière! Ah bah, y'a plus. C'est là un Steinman? Nous gâchions nos coups de scalpel. Et je viens de tout briller. Nous incisions un furoncle par-ci, rabotions un nez par-là. Ce comportement peut vraiment changer les choses. Ce comportement ne met en guerre. La pathologie nous donne les moyens de le faire. Et Ryan, nous libère un petit illusoire qui nous entravait. Changer d'allure. Tu restes pas. De sexe, de race, ta gueule, Steinman. Putain, y'a pas une touche pour, pour lui faire fermer sa gueule. Il ne tient qu'à vous de le modifier. Parfait. Wally, t'as fait un bon travail. Oui, du coup, je disais. Il reste pas longtemps, Stun. Ah, putain. C'est défoncé. Ouais, on est tous tristes. On regarde rien. Vous m'aviez promis de me faire plus belle, Salma. Vous l'aviez promis. Et regardez-moi. Regardez-moi. Eh ben, c'est triste, hein. Mais. Mais comment? De quelle manière? Ouvrez bien l'œil si vous voyez Steinman. Ce sombre crétin tient boutique dans l'aile chirurgicale. Pour le prouver, suivez les traces de sang. Eh ben, suivez les traces de sang. Waouh, les traces de sang, elles sont carrément signées. Oh là là. Eh bien, soit. Partez avec votre traînée. La dent pose de nouveaux problèmes aux professionnels de la médecine. L'évolution de... N'oubliez pas, vous pouvez court-circuiter toutes ces machines si vous les touchez avec votre arc électrique. Ok. Mais le piratage? Ok, piratage. Acheter... non, on va pirater. Parfait, parfait. Ah, mais c'est quoi ça? Ça a l'air dangereux. Tac tac, c'est pas mal tout ça. Et bah voilà. En fait, j'avais déjà tout. Voilà, un allié. Oh. Ah, mais il me bloque. J'ai quelqu'un. Ah. Voilà, je me fais une armée. Et après, on pourra discuter les. Comment qui s'appelle déjà les chromosomes. Ok, c'est pas mal. On est relativement bien. Tac tac tac. Boum. Allez, encore un petit vol. Et voilà. Une armée. Aïe, mais il me tire dessus. Allez-y, mon arme. Bon, quand je suis efficace, en fait, c'est quoi? Non! Touche pas à mon armée! Parfait. Eh hey, mais il me tire dessus en plus, ce con! Faut lui apprendre le respect à ce petit. Ah d'ailleurs, en fait, ça a interrompu. Par toi? Ça a interrompu une. Un enregistrement. La dent pose de nouveaux problèmes aux professionnels de la médecine. L'évolution de nos outils entraîne celle de nos canons esthétiques. Voyez-vous? Jadis, j'étais heureux d'enlever une verrue ou de révéler l'être humain qui se cachait derrière le monstre de foire. Mais c'était avant. Nous faisions, n'est-ce pas, avec les moyens du bord. Avec la dent, la chair humaine redevient cette argile originelle, ce matériau brut, riche d'une infinité de possibles. Ne serait-ce pas criminel de notre part de ne pas sculpter cette argile encore et encore jusqu'à ce que l'œuvre soit là, devant nous, inondée de sa perfection. En fait, il est un peu taré. Pourquoi ça m'a fait un truc Bon. Ça m'a fait un truc bizarre pendant que je le tirais dessus. À la surface.
Les parasites exigent que les médecins leur prodiguent des soins gratuits, que les fermiers les nourrissent par charité. En cela, ils sont semblables aux dévoyés, vicieux et corrompus qui rôdent dans les ruelles, à la recherche d'une proie facile qu'il séquestrera et torturera selon son bon plaisir. Donne-moi ça, toi. Bon, c'est pas grave. Mais il y avait pas un truc à côté. Je l'ai envoyé voler avec les cigarettes. Non. C'est pas bien grave. Il y a des gens qui sont pas très bien. Je suis beau. Je le sais bien. Regarde-moi. Pourrais-je affiner davantage cette perfection cosmétologique? Là-dedans, et mon scalpel m'ont métamorphosé. Mais ai-je pour autant atteint ma perfection? Qu'arrivera-t-il si ce n'est pas le talent qui m'abandonne, mais bien plutôt l'inspiration? Eh ben, putain. Même ce machin est piratable. Et donc, je pense que les gens qui vivent ici sont quand même sacrément tarés. Enfin, je pense, c'est que ça a l'air quand même assez sûr. Quoi, 10$? Pfff, l'arnaque. Alors, attends, parce que du coup, est-ce que j'ai été fouillé ou est-ce que je n'ai pas encore été fouillé? Tac, 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 tac. Ici, je connais pas. C'est... Il a été porté à mon attention que certains importuns avaient découvert le moyen de pirater les distributeurs automatisés. Je n'ai pas besoin de rappeler à chaque résident de Rapture que la libre entreprise est le fondement sur lequel nous avons bâti notre société. Les parasites seront châtiés. Ouais, je me suis un peu senti visé. Quelqu'un qui rigole là, mais je sais pas où elle est. Attends, mais je connais pas ici. D'accord. Et après, il y a des morts de partout. C'est cette monumentale inversion, ce vieux mensonge. Oula, oula. Qui a enchaîné. Ok, bon. J'avais 16 ans à peine en arrivant dans les camps. C'est là que j'ai découvert l'amour, l'idolâtre passion que j'avais pour la science. Le docteur nazi faisait des expériences. Parfois, il manquait de rigueur scientifique et faisait une erreur. Quand je lui faisais remarquer, il était furieux. Mais me demandait ensuite, « Comment tu peux savoir tout cela ?» Je répondais, « Je le sais, c'est tout. » Alors il hurlait, « Si tu sais, pourquoi me le dire ?» Et je lui disais, si vous êtes décidé à poursuivre dans cette voie, au moins, faites-le correctement. Bah maintenant on a des nazis, très bien. Par contre, il y a des petits problèmes de... Ah, il cache des choses blanches. Ah, j'aurais dû le voir venir. Non, là, il n'y a rien, pardon. Oui, donc, il y a quelques petits problèmes de son, je crois. Si ça recommence, je redémarrer le jeu. Allons voir ce qu'on a par là. Chirurgie abordable. Avec la manipulation génétique, la beauté n'est plus un but, ni même perdue. C'est une obligation morale. Je vous dis, obligeons ce qui est important à vivre avec les malades. Mélangeons-nous les criminels et les honnêtes gens? Non, bien sûr que non. Alors, pourquoi les disgracieux pourraient-ils côtoyer les gracieux? Parce que, relais gens, du coup j'ai redémarré rapidement le jeu pour voir si ça enlevait les espèces de petits bugs de son. Donc j'espère, parce que c'est pas forcément très agréable. Pourquoi, bon monsieur, existe-t-il une loi qui nous y contraint? Deux bras, deux jambes, deux oreilles, deux seins. Bah je sais pas, c'est genre la nature. Vous devrez trouver un moyen d'atteindre l'aile chirurgicale. Et vous contaminez tout ce que nous approchons. Les cœurs, le pied, les poltrons. J'entends ce gros zoom. On se croirait le soir de la fête nationale. Les explosifs sont une denrée rare ici. Mais si vous mettez la main sur un plasmide, un télékinésie, vous
pourrait rattraper ces maudites bombes pour les renvoyer dans son gosier ou sur tout ce qui vous barre la route. Viens me le dire en face, espèce d'enfoiré! Ce combat de Pokémon. Et t'avais un flingue, il est où? Oh, il est pas tombé avec. Oh, oh c'est triste. Bon, du coup, il nous faut la télékinésie. Pour voler les bombes du monsieur. Bon, ouais, ça sert pas grand chose. Bon, bah, du coup, on va aller chercher ça. Par contre, eux, là, ils tombent pas en rond. Non, parce que ils ont... Enfin, le couloir a pas l'air de mener quelque part, en fait. Ce qui est... C'est déjà là. Encore. C'est trop mignon. Enfin, la petite, pas l'espèce de gros machin dégueulasse. Oh. Alors déjà, je t'ai pas touché. Et je compte pas le faire. La moindre fuite d'eau est une menace. Veuillez signaler au plus vite. Ah, ah, t'es pas prudente. Du coup, c'est là où on doit aller. Et bien évidemment, c'est bloqué. Steinman, je sais que le pavillon médical est votre domaine réservé, mais réfléchissez. Cet océan est glacial, plus froid qu'un couteau de boucher. Si on ne chauffe pas les canalisations, tôt ou tard, elles vont geler. Et si elles gèlent, tôt ou tard, elles vont éclater. Et tôt ou tard, Rapture va prendre l'eau. Je me rends compte que vous êtes plutôt du genre huppé et franchement, je me moque éperdument de ce qui peut vous arriver. Cependant, si Rapture prend l'eau, nous courons à la catastrophe. Et si ce jour-là arrive, croyez-moi, je ferai en sorte que Ryan vienne vous en toucher deux mots. Eh ben... Comme quoi, c'est vachement bien entretenu, hein. Sympathie, oula. On a tout pété. Je sais pas ce qu'ils ont gagné. Et personne n'emportera ça chez lui. Ouais. C'est le propriétaire, il parle tout simplement. Et nous. La résistance de cette bouteille! Vache! Mais quoi? Qui attend à ma vie à travers les murs? C'est là-bas derrière? Du coup, il faut pouvoir faire fondre la glace. Quel heureux hasard. Voilà, ça c'est un bel headshot. Ah non, je crois que c'est une de mes tourelles qui s'est énervée contre elle, d'accord. C'est l'un de mes Wally, très bien. D'ailleurs, le Wally volant a disparu. Triste. Calmez-vous. Non. Ah mais il cherche en plus. Vas-y, hé, je te vois. Arrête de fuir. Bon, il fuit. Allez. Munitions. On se prépare. Oh. On se prépare. N'essaye pas de fuir, je te vois. Ah. Il s'est suicidé. Je rêve ou il s'est fait exploser? Bon, ce sont des choses qui arrivent. Picasso, voyez-vous, lorsqu'il s'est lassé de peindre des êtres humains, les a représentés par des polygones, des cubes, des formes abstraites. Le monde a crié au génie. Pendant toute ma carrière de chirurgien, j'ai modelé les mêmes formes, encore et encore, nez retroussé, menton fendu, poitrine opulente. Ne serait-il pas merveilleux que je puisse obtenir avec un bistouri ce qu'il a obtenu avec un pinceau? Eh ben... Les caméras de sécurité, j'entends ces machines infernales tout autour de vous. Ce sont les yeux et les oreilles de Ryan. Ok, et bah ça dégage. Parfait.
En plus, il avait rien à perdre de temps. J'ai récupéré des munitions de ça. Ah oui, en plus, c'était d'ailleurs dans le bureau. Cadavre. Allez, plus de cadavre. Débarrassez-moi de ça. Par quelle sorcellerie? Nouveau fortifiant, pirate génétique. Le pirate génétique permet à votre corps de convertir l'énergie modifiée lors d'un piratage en un puissant agent curatif. J'accepte. J'accepte. Montons à l'étage. Oh oui. Et vous aussi, vous. C'est toi qui manque de respect là. Attends, mais je t'ai mis une balle dans la tête, pourquoi t'es pas morte? Bah, derrière toi! Mais, je... voilà! Non mais... Ceci n'est pas ouvert... Je crois que j'ai cassé un truc, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent couramment. Quand c'est moi qui joue. Sympathique ça. Je crois que j'entends un protecteur, mais... Ah bah il est pas là. Eh bah c'est un ton. Non mais... Pas non plus déconner. Du coup il n'y a plus que là. Un parasite rôde dans les couloirs. Nous rebâtissons notre cité et les incrédules envoient une mouche souiller notre onguent. Nous offrons-t-il Adam à celui ou celle qui lui clouera les ailes? Ah mais je les veux bien moi les mille Adam. Ah mais j'ai plein d'Ève, mais j'ai pas d'Adam. Bon. Incinération. Niveau plasmide, incinération. Quand vous devez absolument mettre le feu, n'attendez plus. Incinérez sur le champ. C'est magnifique. Mettez le feu et plongez vos ennemis dans la fournaise. Avertissement, les flammes peuvent se propager. Ah ouais, ça va. J'ai failli oublier. Vous sous-estimez les flammes, très cher. Oh, le feu! Tous les chemins de rapture mènent à Ryan. La sécurité, les gros hommes, les protecteurs, les petites sœurs. Ryan diffuse une sorte de parfum de synthèse dans l'air. On appelle ça des phéromones. Avec ça, tout ce petit monde lui obéit, au doigt et à l'œil. Comme avec les insectes? Ça veut dire que Ryan est une reine. Ah oui, non, pas forcément en fait. Attends, ça brille ou pas? Non. Ça ne brille pas, je vois des choses qui brillent partout. Je deviens obsédé par la brillance. Fouiller ça. Ah. Forcément. Oh! Ah! Non! Il y a eu la tourelle! Je ne peux pas vous faire de mal, mais... Aïe! Ah! Je suis con, moi aussi. Putain, il a eu ma tourelle! Ouh! Intéressant. Putain, mon Wally. Repose en paix. Quelqu'un qui pleure. J'avais tué quelqu'un sinon, ouais, voilà. C'était cette personne. Et du coup, voilà. Du coup, on libère ceci. On reprend un peu de vie. Non, mais pour les gens font ce qu'ils veulent. Franchement. Franchement. Bah alors.
Une tentative désespérée. Even. C'est intéressant, non, pas ça. Non mais j'aime bien, j'aime pas une tourelle. Allez, on achète ça, c'est rapide. Autopiratage, c'est rapide. Parce que les piratages, c'est du gameplay non palpitant. Faut pas dire nul. Oh. Le feu. Alors du coup, ça c'est intéressant. 0451, très bien, un code. Mais ça c'est parfait, y'a des choses cachées là-bas, non? Bon. Très bien, très bien. Oh, mais quel heureux hasard. C'est quoi, c'était 0451, je crois. Parfait. Je prends, je prends pas. Je prends, et ça je prends. Je prends un petit. Ok. Poursuivons. Ce bruit de caméra, prends tes casse-couilles. Des choses un peu partout. Ouais! Ouais, non mais oui! Franchement! Qu'est-ce qui va arriver de pire? Hé! Hey, je t'ai vu! Nouveau fortifiant! Expert en sécurité, innovation de la gamme Arx. Hacksmart. L'expérience sécurité a été conçue pour les pirates spécialisés dans la neutralisation des systèmes de sécurité électronique. Ne croyez plus qu'on arrive avec l'expert en sécurité. Je prends. Parfait. Bon, du coup. Le monsieur qui s'est enfermé dans le placard, il a pas l'air de vouloir sortir. Il veut sortir. Vas-y, viens. Voilà. Ça ne s'ouvre pas. Très bien. Très bien, très bien. Bon bah du coup, c'est juste pour du bonus. Je peux donc aller chercher. Ah. Toi, t'es un poli. Ça ne marchera pas très longtemps. J'ai besoin de soin. Oh, le soin. Il n'arrivera jamais. Combien de catastrophes ont été déclenchées? C'est le roi et ses sujets qui allument ensemble les torches de la destruction. C'est cette monumentale mensonge qui a enchaîné l'humanité dans un cycle. Ouais bon, tu parles beaucoup et moi j'aimerais avancer dans le jeu.